Alors on y est, en plein cœur là des offensives. Les gens qu'on croise, vous ne pouvez pas imaginer la détresse des gens. Alors tous vos votes en guerre là que vous écoutez, tous ces trucs, il faut faire, il faut faire ci, il faut faire ça, venez voir ce que c'est la guerre. Venez la voir la guerre, venez la voir la guerre, au lieu de parler, au lieu de donner des conseils sur Facebook. Vous êtes, mais vous vivez dans une autre planète. Venez vous prendre tout ça sur la gueule. Venez, viens, viens, on leur montre ce que c'est la guerre. Vous verrez la mamie dans le film. Cette mamie, moi j'oublierai jamais ses yeux, vous ne les aurez jamais croisés. Regardez. Vous pouviez pas la trouver, cette diplomatie, c'était trop difficile. Depuis 2014. Regardez. Regardez. C'est ça la guerre. Et si vous censurez mes images sur Facebook pour faire croire que le monde n'existe pas, continuez d'acheter vos putains de Nike, vos putains d'Adidas, continuez à regarder vos pubs, continuez. Un jour vous allez comprendre. Mais ça sera trop tard. J'en ai, c'est bon, les civils là. C'est bon. Mais je veux qu'ils comprennent, viens. Depuis le 25 février, le jour de mon anniversaire, au 8 mars, ces gens ont vécu dans des caves. On leur a donné juste ce qu'on avait dans la main. Et je vois des tweets immondes sur Internet où vous ne croyez pas aux victimes. En 2015, ça a commencé là-bas, il y a eu des exactions partout, j'ai jamais dit le contraire. Et vous vous battez, vous petits reporters de merde, à essayer de trouver les erreurs dans mes films. Mais vous êtes une honte pour l'humanité! Viens voir! Tous ces putains de mecs qui croient faire leur boulot en cherchant « Ah, vous avez dit charnier dans votre film ?» Mais je vous ai précisé qu'il n'y avait que 3 morts. Eh bien, regardez, on va les compter les douilles. C'est quoi qu'il vous faut comme preuve maintenant, France Info, Libération? Regarde, mais montre-leur, Yann. Oui, montre-leur que je saute devant la caméra le jour où je serai morte, c'est là où vous allez commencer à m'aimer. Ah ben finalement, on disait pas que des conneries, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous êtes comme ça. Faut que les gens crèvent pour qu'on croie à leur travail en France. Est-ce que madame de France Info qui m'a appelé, vous voulez que je les compte maintenant, les trucs là pour dire qu'il y a eu la guerre? Ou j'ai le droit que de dire que c'est un carnage? J'ai tout filmé hier. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être 300. Et vous allez me reprocher de dire qu'il y en a 310. Sortez de votre desk. Ça te fait quoi, Yann, de voir tout ça? Allez, continuez de démonter Donbass 1. Cherchez la petite merde. Là où il n'y en a pas. Continuez. Ça permet de détourner de l'essentiel, c'est ça que vous cherchez? De poser les vraies questions? Mais moi, je ne suis pas étonnée de la défiance des Français envers les médias. Parce que même moi, je deviens d'une défiance absolue envers cette profession. Et vous pouvez toujours, toujours courir que je me dise journaliste. C'est une étiquette qu'on m'a collée. J'ai dû mettre ça sur le réseau parce qu'on est obligé de mettre une biographie. Eh bien, je préfère la définition de Pierre Péan, enquêteur. C'est ça que vous devez faire, des enquêtes. Et pas du scoop, comme Libération m'a demandé. J'ai photographié quand tu m'as écrit. Oh, c'est pas du scoop quand Porochenko tire sur sa population. Vous voulez du scoop? Ben là, vous en avez du scoop. Coupe.